tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu différent de ce que je fais d'habitude puisqu'on va pas parler de livres mais on va parler de séries télévisées ou du moins sur les plateformes en général de visionnage parce que c'est là où on les regarde le plus hein, maintenant. Donc je vais diviser la vidéo en trois parties. Il y aura une première partie où je vais parler des séries que je regarde à la télé, donc c'est sur les chaînes classiques, hein, du style par exemple TF1 ou M6, etc. Ensuite, ce sera ce que je regarde sur la plateforme Netflix et enfin sur la plateforme Amazon Prime Video. Comme d'habitude, vous me dites en commentaire si jamais vous suivez certaines séries, si vous avez un personnage fétiche, ça me fera très plaisir de le savoir. Si j'ai la foi, je pense que je vais essayer parce que sinon ça va être un petit peu tristouné, hein. J'essaierai de vous insérer des photos, soit des acteurs principaux ou du logo de la série, enfin voilà, une petite image en fait avec les personnages pour vous donner peut-être envie de voir, ça vous parlera plus que parfois le titre. Parce que quand on en suit vraiment beaucoup, c'est pas évident de se rappeler de tout hein, ce qu'on regarde, clairement. Alors pour ma part, dernièrement sur TF1, donc j'ai regardé Doc. C'était vraiment il n'y a pas très très longtemps, hein. C'est une série italienne en fait, et c'est tiré d'une histoire vraie. On va suivre un médecin qui s'appelle Andrea, je crois qu'il doit avoir dans la quarantaine, une bonne quarantaine, mieux quarantaine peut-être. C'est un médecin qui s'est pris une balle dans la tête en fait, et il a oublié 12 ans de sa vie. Voilà, donc en gros il s'est fait tirer dessus par un parent d'un patient décédé dans cet hôpital. Donc lui il va pas trop savoir pourquoi au début évidemment hein, parce que en fait ça commence où on va le suivre lui, il a oublié les 12 dernières années donc évidemment il y a plein de choses qui se sont produites malheureusement pendant ces 12 ans et il va devoir naviguer pour trouver ses marques dans l'hôpital, est-ce qu'il va pouvoir rester médecin, c'était le médecin en chef je crois, enfin voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça change un petit peu des Grey's Anatomy et compagnie, hein, de toutes ces séries médicales qu'on peut voir où très souvent ça se ressemble, bien que dernièrement, je trouve que ces 2-3 dernières années, ils ont fait des efforts pour parler un petit peu d'autres sujets dans les épisodes que les histoires qui se passent entre les médecins, etc. Disons que dans Grey's Anatomy, il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de drama, surtout les premières saisons. Là maintenant, ça commence à dévier un petit peu. Ces 2-3 dernières saisons aussi, c'est plus centré sur des vrais problèmes. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus mis en avant sur les vrais problèmes de la médecine, des injustices, etc. Enfin bon, voilà, là, j'en crois en train de m'égarer, mais bon, bref. J'ai trouvé cette série vraiment intéressante, la série Doc, parce que c'est justement, ça nous aborde un autre côté de la médecine et c'est filmé différemment. Et enfin voilà, moi je trouve que c'était un petit peu... c'était frais en fait, c'était sympa. Ensuite, une série que je continue de regarder, même si c'est pas non plus la série de fou quoi. Disons que si je rate un épisode, c'est pas très très grave, mais bon en général j'essaie quand même de regarder. Il s'agit de SWAT, donc c'est une série américaine avec le sublime Shemar Moore. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. Il avait joué dans Esprit Criminel, hein, c'est là que j'avais commencé à le suivre. Donc là, il joue le lieutenant Harrelson, donc on l'appelle plutôt Hondo tout le temps. Et il dirige une unité donc, du SWAT qui travaille surtout dans les quartiers où il a grandi. Donc là, pareil, je pense qu'on est à la saison 4, je crois. Enfin, je sais plus si je dis des bêtises ou pas, mais il ne faut pas raconter les épisodes parce que c'est tout... ils font des enquêtes, en fait, indépendantes les unes des autres dans chaque épisode, sauf quand ça dure sur 2 épisodes, quand c'est des gros trucs. Mais voilà, à côté de ça, on va suivre aussi leur vie perso, un petit peu, mais vraiment très très peu par rapport à d'autres séries, c'est vraiment minime dans l'histoire. Et forcément, c'est comme ça aussi qu'on s'attache aux personnages, parce que au tout début, il y en a certains qui nous plaisaient peut-être moins que d'autres. Mais là, franchement, j'aime tous les épisodes, et particulièrement tout ce qui va concerner la vie de Chris. En fait, qui est une femme qui est avec eux dans l'équipe. Et c'est intéressant de voir aussi la considération de la femme, etc. Enfin voilà, ça traite vraiment de beaucoup de sujets actuels. Et là, les 2 épisodes que j'ai regardés il n'y a pas très longtemps, enfin cette semaine, c'est la semaine dernière, ça y est, ça commençait avec l'épidémie du Covid. Donc vous voyez, c'est quand même assez actuel. Ils ont décidé de l'inclure dans les épisodes et de pas faire des choses sans aucun rapport avec les faits réels, enfin les faits actuels on va dire. Je vais pas m'étendre sur chaque série parce que sinon la vidéo va durer 1 heure quoi. Il y a de chances qu'elle dure 1 heure d'ailleurs.
Et ensuite, la dernière série que je suis sur TF1, c'est The Resident, avec des magnifiques docteurs, encore, ils sont tous toujours très beaux dans les séries. C'est un drama médical, donc c'est basé sur le livre d'un docteur à la base, et ça a été vraiment très très romancé. On va suivre la vie, pareil, du personnel médical à l'hôpital de Shasta. Et là, par contre, ça change vraiment pas mal parce qu'on découvre l'envers du décor et on va vraiment beaucoup parler de... En tout cas, là, ça se focalise sur le système hospitalier américain en général et sur le système médical. Donc, c'est plutôt ce qui concerne l'Amérique, les USA, pardon. Donc après, en France et tout ça, il y a peut-être des similitudes, c'est peut-être pas pareil, je peux pas parler parce que j'en sais rien. Voilà. En tout cas, là-bas, ça se concentre sur ce qui se passe aux US. On va aborder beaucoup de questions bureaucratiques, des questions d'assurance, des questions de profit, les questions de collaboration avec certains laboratoires pour avoir tel médicament. On joue avec des égos des médecins, ils en prennent vraiment pas mal pour leur grade parce qu'il y en a beaucoup qui ont des gros gros égos. Après, il y a vraiment il y a aussi pas mal de petites touches d'humour et ça, j'aime vraiment beaucoup. Moi, les personnages que je préfère, c'est pas forcément les personnages principaux que je préfère. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Mina Okafor. J'adore cette actrice, elle est sublime en plus. Franchement, je la trouve vraiment trop trop belle. Et son côté, en fait, son personnage, comment il va se développer au fur et à mesure des saisons, vraiment j'adore. Et voilà, enfin, dites-moi en commentaire si vous regardez cette série, si vous avez un petit chouchou, une petite chouchoute. En gros, voilà, ça va surtout parler du fait que malheureusement, les hôpitaux doivent aussi penser à faire de l'argent, il faut que ce soit rentable. Et parfois, malheureusement, pour certains, au détriment de certains patients, donc c'est pas toujours top hein, à découvrir. Je vais m'arrêter là pour cette partie. Je vais passer tout de suite à la deuxième partie qui va être les séries que je regarde sur Netflix. Alors voilà, après en aucun cas c'est pour vous inciter à vous abonner à quoi que ce soit, hein. Je vous parle juste de ce que moi je fais, hein, parce que je suis une grosse consommatrice de séries, et oui j'ai Netflix et j'ai Amazon Prime et j'ai Disney+, enfin ça c'est ma petite sœur, enfin bon bref. Mais voilà, quand on aime vraiment beaucoup ça, ben chacun fait ce qu'il veut après, hein, voilà. Une série que j'ai dévorée pour l'instant, il n'y a qu'une saison qui a été faite, que j'ai littéralement... Je fais beaucoup de binge-watching, ouais, donc en même temps, c'est un peu compliqué des fois de se rappeler de tous les détails parce que j'enchaîne tellement vite les épisodes que pour faire un résumé concis de ce qui va se passer, c'est parfois un peu compliqué. Surtout quand j'essaie de raconter ça à mes sœurs ou à ma mère, c'est un peu... Parfois, je pars dans tous les sens et c'est un peu compliqué. Donc, ici, une série avec... donc, je vais d'abord dire le titre, ce sera plus simple. En français, ça s'appelle « Toujours là pour toi », mais en VO, c'est « Firefly Lane », sachant que moi, je regarde toutes mes séries en VO. Il n'y a que pour celle de TF1, la série italienne, que je n'ai pas regardée en VO, mais même les autres, The Resident, soit, je regarde tout en VO. Je trouve ça plus sympa pour suivre l'action, pour ressentir les choses, enfin, voilà. Je vous avais déjà parlé notamment de la série « Outlander », je pense que j'en reparlerai bientôt parce que là, les prochaines saisons sont en cours de tournage, à mon plus grand plaisir. Mais ouais, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon je pourrais encore parler pendant une heure. Hein. D'ailleurs, je vous renvoie ici au petit i à ma vidéo sur la série Outlander et sur les livres. Donc pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, ça n'a toujours pas changé. Je pense lire le second tome le mois prochain, parce qu'il faut vraiment que j'avance. Parce que c'est beaucoup trop bien. Donc, je reviens sur la série dont j'étais en train de vous parler à la base. Il s'agit de Toujours là pour toi, donc Firefly Lane. C'est une adaptation du livre de Christine Hanna avec Catherine Heigl dans le rôle de Tully et Sarah Chalk dans le rôle de Kate Mullarky. Pour ceux qui ont regardé en VO, voilà. Ici, on va être sur trois temporalités principales, même si on a parfois des flashbacks avec des âges différents. On va suivre la naissance de l'amitié de ces deux femmes, les épreuves qu'elles ont endurées, et on nous laisse sur de gros mystères à la fin de la saison. Donc pour ceux qui ont lu le livre, ils doivent savoir de ce qu'il en retourne. J'essaie de pas trop me faire spoiler parce que c'est vraiment rageant quand c'est comme ça. Mais en gros, voilà, on sent qu'il s'est passé un truc entre les deux protagonistes, mais on nous dit pas quoi, clairement on sait pas trop ce qui s'est passé.
Et ça va me donner vraiment beaucoup plus envie de. Enfin, c'est pas très français ce que je dis, mais ça m'a donné clairement envie d'avoir une saison 2. Cette série, elle est bourrée d'humour, de passages. Il y a toujours de l'action en fait, il y a toujours des choses. Vous savez, comme pour les romans, quand c'est sur plusieurs temporalités, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours un truc qui va se passer en fait, et ça, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai versé des petites larmes, j'étais choquée, il y a des moments où j'étais. Voilà. Enfin, dites-moi en commentaire, mais moi, franchement, j'ai adoré cette série. Ensuite, une que j'ai regardée aussi en 2 jours, enfin en deux fois, quoi, parce qu'il n'y a que 6 épisodes, il me semble. C'est la fameuse série Destin, la saga Winx. Alors oui, j'ai regardé ça. Je sais qu'il y a beaucoup de séries qui font un peu ado, mais on s'en bat les steaks, hein, on fait ce qu'on veut. C'est adapté de la série des dessins animés de l'époque, hein, pour ceux qui connaissent les Winx. Sauf que là, c'est clairement un peu plus dark, hein. Il me semble que ouais, c'est pas, il y a des, c'est remis au goût du jour, on va dire quoi. Alors après, j'en ai parlé avec ma petite sœur qui a regardé aussi cette saison, et elle est très, elle aime bien les détails de comment c'est filmé, etc. et tout, et elle est beaucoup dans les Marvel, dans les comics et tout, enfin, et elle dit que les effets spéciaux sont pourris, enfin. Surtout certaines scènes, la scène finale, je crois, dont elle me parlait. Enfin bon, bref. Moi, quand je regarde des séries comme ça, je fais vraiment pas attention à ce genre de choses. Je suis tellement plongée dans l'histoire, en fait, que je vais pas vraiment dire ah, c'est mal filmé, c'est mal truc. Pff, moi, je m'en fiche, franchement, tant que je passe un bon moment. Après, peut-être qu'il y a mieux, peut-être qu'il y a pire. Voilà, c'est comme tout. C'est comme quand on regarde des séries de films qu'on a adoré avec des effets spéciaux de l'époque, comme on dit. Maintenant, ça a pris un coup de vieux, mais à l'époque, on a kiffé, donc c'est le principal. Donc là, ici, on est sur une histoire qui va se passer à Alphéa. Donc c'est un internat magique où un groupe de filles, en fait, ont des sortes de pouvoirs, des dons. Elles vont devoir maîtriser leurs pouvoirs en poursuivant leurs études sur le surnaturel, tout en découvrant l'amour. Parce que oui, il faut mettre un petit peu de piment. L'héroïne principale qu'on va suivre, c'est Bloom. Elle est jouée par Abigail Cowen. Je mettrai peut-être sa photo par ici. Et elle va découvrir en fait, dès le premier épisode, que c'est une fée, donc elle est choquée, hein, comme d'habitude. Elle va devoir apprendre à vivre avec toutes les nouvelles infos qu'elle va découvrir. Et il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette série en 6 épisodes. Je sais pas si vous avez pensé la même chose que moi, mais je dis, waouh, on nous donne plein d'infos, il y a des trucs, c'est. On a même la forme. Moi, j'ai eu l'impression parfois que c'était même un peu trop sur certains épisodes, parce qu'on se dit. Ils ont à peine le temps d'assimiler un truc, on leur dit un nouveau truc, enfin et voilà, et c'est gentil, méchant, méchant, gentil, on sait pas, on nous laisse dans le flou, et du coup, voilà, on est un peu perdu. Bref. Une série que, ouais, peut-être que vous êtes gavés de l'entendre, mais forcément, je suis comme tout le monde, hein, j'ai un petit mouton. J'ai regardé la chronique des Bridgerton. Donc, oui, c'est une série qu'on nous rabâche depuis maintenant plusieurs mois. C'est issu d'un roman de c'est une adaptation du roman de. Je l'ai même pas marqué en fait. Je pense que c'est Julia Quinn, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Ici, on est à l'époque de la Régence en Angleterre, donc c'est au début du XVIIIe siècle. Et on va. Voilà, dans le résumé, on nous dit qu'on suit 8 frères et sœurs proches de la famille puissante des Bridgerton. Ouais, enfin, je sais plus trop bien combien ils sont, mais déjà chez les Bridgerton, ils sont quand même pas mal. On suit notre famille, on suit d'autres personnages, donc en gros, on va suivre plein de personnages qui vont être liés à cette famille, en gros. La série, elle est produite entre autres par Shonda Rhimes, qui a fait Grey's Anatomy. C'est adapté donc de la série des livres de Julia Quinn, et dans les deux rôles principaux, donc en tout cas dans la première saison sur Netflix, on va parler de Daphné et du Duc. Simon. Pareil, hein, j'arrête en VO, les accents sont tellement magnifiques. Donc Daphné, elle est jouée par Phoebe Dynevor et Simon par Roger Jean Page. Dans la version cinématographique, la haute société, elle est racialement, pardon, pas radicalement, elle est racialement intégrée. Donc c'est différent par rapport au livre, parce que voilà, clairement dans la série. Bon, j'ai pas lu le livre, mais on nous dit clairement que dans le livre, on nous dit pas qu'il y a une reine qui est de couleur. Voilà, il y a plein d'éléments en fait dans la série Netflix qui sont aussi un petit peu
disons qu'ils ont pris des libertés en fait par rapport au roman basique, classique. Et apparemment aussi dans le premier tome, on va se focaliser vraiment que sur les deux personnages, donc de Daphné et de Simon, alors que dans la série de Netflix, on va vraiment avoir tout le détail sur les autres, ceux qui gravitent autour d'eux. Donc ça, c'était aussi très intéressant à noter qu'il y a une différence entre les deux. Voilà, donc en gros, ça va raconter comment les deux personnages vont être amenés à se côtoyer. Puisque dans le sujet principal, ce qui va se passer comme événement principal, c'est que Daphné va être présentée à la reine pour pouvoir dire qu'elle est en gros sur le marché pour se trouver un mari. Voilà, on va résumer comme ça en fait pour faire clair. Sauf qu'elle va avoir des prétendants qui vont se présenter à elle, mais son frère Anthony va dire qu'il n'y en a aucun qui a sa hauteur et tout ça, enfin, bon, bref. Et en gros, elle va faire quelque chose avec un certain personnage pour arriver à faire d'autres choses. Je ne peux pas dévoiler l'intrigue, sinon ce serait tout vous raconter ce qui va se passer. Mais j'ai beaucoup aimé, on passe un bon moment, il y a pas mal de notes d'humour, en tout cas dans la série Netflix. Et j'ai adoré le piquant qu'il y a entre, de toute façon, les deux personnages principaux qu'on va suivre. Hein, c'est vraiment eux, ils ont une alchimie, je trouve, assez intéressante. Et j'ai aussi hâte de découvrir certains personnages qui sont secondaires dans la première saison, mais qui seront principaux dans les saisons suivantes. Donc le personnage d'Anthony notamment. Et après, voilà, j'ai hâte. Et cette fameuse Lady Whistledown, je pense qu'on va nous balader à chaque saison. Hein. Personnellement, c'est ce que je pense. Ensuite, je suis à jour de la série The Crown sur Netflix également. J'ai terminé la saison 4. Alors, ça, c'est pas une série par contre qu'il faut regarder, qu'il faut enchaîner parce que c'est très très lent. Donc, il y a parfois des épisodes ou une saison qui va être plus intéressante que l'autre. Personnellement, la saison, c'était le plus long, c'était la dernière partie de la saison 2 et le début de la saison 3 en fait. Sachez que si vous avez regardé la première saison ou la deuxième saison seulement, les acteurs changent parce que évidemment ça se passe sur des époques différentes. Donc il y a eu les premiers acteurs pour les deux premières saisons, d'autres acteurs pour les rôles pour tous les personnages hein, pour la saison 3 et 4, et là il y a des nouveaux acteurs pour la saison 5 et 6. Après, au moins, après je sais pas si on les garder pour plus longtemps ou pas. Donc la saison 4 en fait elle va se concentrer beaucoup sur l'histoire de Charles et Diana en fait, j'ai trouvé, et aussi sur la première ministre Margaret Thatcher qui était la première ministre femme, je crois. Non, c'était pas la seule, je crois qu'il y avait Theresa May après, la première en tout cas ministre femme. Donc au niveau des acteurs pour la saison 3 et 4, alors peut-être que je vous mettrai pas toutes les photos parce que ça va être un petit peu long. Mais ici, on est sur Olivia Colman pour Elizabeth II, Tobias Menzies pour Philip Mountbatten. Tobias Menzies, c'est celui qui a joué Jack Black Randall dans Outlander. Voilà. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre, hein, parce que pour moi, c'était c'était Jack, quoi, tu vois. Donc, comment te dire. Helena Bonham Carter, qui joue le rôle de la princesse Margaret, donc la sœur d'Elizabeth, qui a notamment joué dans Harry Potter. Hein, elle n'a pas fait que ça, mais entre autres. Josh O'Connor pour le prince Charles. Gillian Anderson pour Margaret. Alors j'étais choquée parce que je ne l'ai pas du tout reconnue. En fait, quand j'ai regardé la série, j'ai fait mais elle me dit quelque chose quand même, parce qu'on voit que c'est une actrice qui est grimée, c'est pas son véritable âge, on voit que c'est du maquillage, enfin on voit pas que c'est du maquillage, mais on sent que les mouvements sont un peu peut-être parfois exagérés, etc. Donc on se doute que c'est pas une actrice qui avait forcément le même âge que Margaret Thatcher au moment où elle a été Premier ministre. Mais quand j'ai vu que c'était elle, j'étais choquée, parce que pour moi, Gillian Anderson, elle est sublime, elle est très très belle. Mais ouais, je me dis, ouais, elle a joué dans X-Files et tout, et ça fait bizarre en fait de l'avoir dans ce style, mais franchement, chapeau au niveau des femmes pour ces deux saisons-là, parce qu'elles étaient vraiment incroyables. Et enfin, Emma Corrin pour Diana Spencer. Donc comme je vous dis, les acteurs vont changer pour les saisons principales. Si vous voulez savoir un petit peu qui ils sont, n'hésitez pas à les voir, parce que si je vous dis les noms, ça va peut-être pas vous parler, sauf si vous êtes très très féru d'acteurs britanniques, américains, tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, après dites-moi en commentaire, si vous regardez The Crown, quelle est votre préférée, votre saison préférée, ou votre personnage préféré, voilà, peut-être un épisode préféré, parce que c'est vrai que ça va se focaliser sur différentes époques anglaises. Hein. Donc on nous a dit hein, aussi, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont romancées, et de toute façon, comme on n'est pas avec la famille royale véritablement,
on pourra nous dire ce qu'on veut, on ne sait pas ce qui s'est passé à 100%, on ne peut pas être sûr, quoi, voilà. J'ai bien aimé... Enfin, j'ai été choquée, enfin, pas choquée, mais j'imaginais vraiment pas ça comme ça. Alors, après, il y a certains historiens, il y en a qui sont proches de la famille royale, qui disent que oui, il y a certaines choses qui se rapprochent vraiment de la vérité. Bah, notamment, je crois que c'est le prince Harry, je crois, qui a parlé de ça, de The Crown, et qui a dit qu'il y avait vraiment des trucs, que ça se passait comme ça, quoi. En gros, sur le fait que la famille royale contrôle un peu tout, et sur les relations aussi avec son père et sa mère. Enfin voilà, c'était super intéressant, je trouve, d'avoir l'avis d'un membre de la famille royale, parce que bon, maintenant il est vraiment beaucoup plus libre de parler, puisqu'il... Ben, vous connaissez tout le, hein, tout le truc à propos de Harry et de Meghan. Voilà, bref, je vais pas m'attarder plus longtemps, parce que sinon, quoi, la vidéo, j'en suis déjà à une vingtaine de minutes, donc je vais vous épargner tout ça. Hein. J'ai encore des séries en attente sur Netflix, notamment Snowpiercer. Je sais que là il y a un épisode qui sort par semaine, je crois, donc mais moi j'aime bien regarder beaucoup d'un coup, donc j'attends que ça sorte et après je reviens. American Horror Story, donc là je suis complètement larguée, enfin je suis en pause, je crois que je suis à la saison 6, je crois que je dois regarder la saison 6 il me semble, ouais, un truc comme ça. Mais c'est un truc que j'adore, hein, mais il y a tellement de trucs qui sortent aussi et j'aime bien changer d'univers à chaque fois. Et Orphan Black aussi, que je devrais peut-être mettre à jour. Je crois qu'elle est finie, la série d'ailleurs. Je vais passer enfin à la troisième partie de la vidéo. Donc oui, on est encore là pour un petit moment. Hein. Donc si vous avez faim, allez vous chercher quelque chose à grignoter. Prenez-vous un petit verre d'eau ou autre chose si vous voulez. Parce qu'on est encore là et Amazon Prime Video, c'est vraiment la plateforme en ce moment que je regarde le plus. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de Netflix en fait. Enfin, je trouve qu'ils sortent vraiment beaucoup de créations sur Amazon Prime Video qui sont vraiment très très intéressantes. Alors... J'ai regardé une petite série de 6 épisodes qui s'appelle Soulmates. Ça se passe dans un futur proche. Et là, en fait, ce qui m'a intéressée, enfin, au début, ça payait pas trop de mine sur le résumé. Et j'ai regardé le premier épisode et j'ai vraiment accroché, donc j'ai regardé. Sachez que les 6 épisodes, on va suivre des personnages différents à chaque fois qui vont jamais interagir entre eux, ils se connaissent pas, enfin voilà. Juste le seul sujet qui les relie, la chose qui les relie tous entre eux, c'est qu'on est dans un futur proche et qu'il existe un test de compatibilité amoureuse qui va vous trouver votre âme sœur en fait. Donc en gros vous faites un test, on ne sait pas exactement comment ça se passe, alors je ne sais pas s'il va y avoir d'autres saisons ou pas, mais en gros on sait qu'on va faire le test et on est sur une sorte de site et jusqu'à temps que votre âme sœur fasse le test, vous ne savez pas si vous avez une âme sœur en fait. Donc en gros, certains vont faire le test et ils vont avoir leur âme sœur 20 ans plus tard, quoi. Enfin voilà, d'autres vont matcher assez vite. Donc en fait, ça nous pose beaucoup de questions cette série. On se dit, si dans la vie de tous les jours ça existait, est-ce qu'on le ferait? Il y a des gens, parce que dans les 6 épisodes qu'on va suivre, il y en a certains qui le font, ils sont célibataires, donc pas de problème, voilà. D'autres qui font le test, alors qu'ils sont mariés depuis X années, ils sont heureux, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va leur dire qu'ils ont une âme sœur et que ce n'est pas la personne avec qui ils sont? Est-ce qu'il faut tout lâcher? Est-ce qu'il faut rester? Enfin voilà, ça pose ces questions-là. Le premier épisode d'ailleurs pose assez bien ce questionnement. J'ai bien aimé parce qu'à la fin, voilà, ça me laisse voilà, en gros, t'aurais pas dû faire ci ou t'aurais pas dû faire ça. Il y a un épisode que j'ai bien aimé, je me rappelle plus lequel c'était, hein, je crois que c'était l'avant-dernier, je crois, ou... C'est l'épisode où ils sont, je sais pas si vous avez regardé, dites-moi en commentaire, c'est l'épisode où ils font un trouble, en fait. Je spoil rien parce que, enfin, c'est pas... Voilà, en gros, il y a une femme et un homme qui sont ensemble. Et la femme va matcher avec une autre femme. Enfin, en fait, voilà, elle ne se savait pas forcément bisexuelle ou quoi que ce soit. Et on va la matcher, on va lui donner une âme sœur féminine. Et il va se passer plein de... Mais non, c'est même pas 3, c'est même un plus, je crois. Enfin, bon, bref, je sais plus, 3 ou 4, je pense qu'il va vivre à 4 après. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, bon, bref, c'est en gros le mec tranquille la vie. Mais bon bref, ça m'a vraiment bien plu, parce que ça changeait un petit peu de l'ordinaire et je trouvais que c'était sympa à regarder, voilà, j'ai passé un bon moment. Ensuite, une autre série qui va aussi parler d'un petit peu de la technologie dans un futur plus ou moins proche, c'est Upload, que j'ai vraiment littéralement surkiffé. J'espère vraiment qu'il va y avoir une suite.
Ici, on est dans un futur où l'on peut uploader sa conscience pour rejoindre un au-delà virtuel de luxe. Donc, en gros, sans forcément attendre de décéder dans la vie réelle, on peut se faire télécharger dans cette espèce d'au-delà virtuel de luxe. Donc, à n'importe quel âge, hein, si on a les moyens, on peut le faire. Et là, on va suivre en fait le personnage principal qui s'appelle Nathan, parce que moi je regarde en VO, évidemment. Et en gros, il est avec sa petite amie qui est blindée, enfin ses parents sont blindés, et il va se faire uploader donc dans cet endroit et il va découvrir vraiment l'envers du décor. Donc il va faire la connaissance de plein de monde, plus ou moins jeunes, plus ou moins pour des raisons qui sont dans cet endroit pour des raisons plus ou moins drôles ou ridicules, ou enfin voilà. Et en fait, il va arriver là-dedans, il va se faire guider par son ange gardien qui s'appelle Nora, qui est une jeune femme en fait qui, là en vocal, en fait, elle lui parle. Elle est dans la vie réelle, elle est vivante. Et en gros, lui, donc, il est censé être décédé, hein, parce qu'il est uploadé là-dedans. Et elle va le faire un petit peu naviguer, etc. Donc, ils vont commencer à tisser des liens d'amitié. Et après, bon, je vous raconte pas, mais c'est vraiment bourré d'humour. C'est intense. Il y a des moments où j'étais en stress un petit peu. Et je me suis dit, oh, mais non! Et ils ont fini la saison. Mais j'ai dit, mais what? Je veux trop savoir la suite. Voilà, c'était vraiment pas mal. Donc, l'au-delà virtuel de luxe s'appelle Lakeview. Je sais pas si c'est très intéressant, mais bref. Et j'ai vraiment adoré. Ensuite, là, c'est pareil, deux séries que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimées, que j'ai dévorées littéralement. Il y en a une qui s'appelle Motherland, à Fort Salem, où on va suivre, donc c'est toujours avec ces soins des adolescents, des choses comme ça, mais enfin moi j'adore parce que ouais, j'ai pas besoin de trop réfléchir, on s'est baladé un petit peu à droite à gauche, mais c'est vraiment super intéressant. Ici on va suivre une sorte d'armée de sorcières qui exercent avec leur voix des sons particuliers, et elles s'entraînent pour pouvoir combattre des menaces terroristes, parce qu'en fait le premier épisode en gros, on découvre assez vite qu'il y a des femmes, enfin des personnes qui sont capables d'émettre des sons ou d'émettre des bruits, et ça va tuer, je sais pas, 1 200 personnes d'un coup, quoi. Enfin, en gros, voilà. Donc là, on va suivre principalement trois, voire quatre personnages principaux qui sont Tali, Abigail, Hael et Syla. Chacune a un rôle particulier dans leur groupe de trois, hein, donc les trois premières. Elles le découvrent au fur et à mesure. Il y a des bonnes intrigues et clairement il y a de la place pour faire au moins 3 saisons de plus, hein, je pense, parce que c'est tellement. Il y a des complexités qui arrivent, il y a des trucs que je ne m'attendais pas. Enfin, moi, il y a personnellement, il y a un personnage, je pensais même pas qu'il allait lui arriver ça, je crois que c'est Abigail, je pensais pas qu'ils allaient faire ça avec elle. Enfin, voilà, si vous avez vu la série, dites-moi si vous pensez comme moi, mais j'étais vraiment surprise par la tournure de certains événements. J'aime beaucoup aussi comment le personnage de Syla nous est présenté, comment il va évoluer, les complexités qu'il peut y avoir entre les relations entre femmes. Et ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et qui a été renouvelé, je pense, au moins pour 1 voire 2 saisons, c'est The Wild. Voilà, donc encore une fois, un groupe d'adolescentes. Donc là, c'est que des filles. Elles sont issues de différents milieux et elles vont lutter pour leur survie. Alors écoutez bien, elles vont lutter pour leur survie après avoir échoué sur une île déserte suite à leur crash d'avion qui était censé les amener sur une sorte de. Enfin, à Hawaï, pour une sorte de retraite féminine, pour se désintoxiquer de leur monde actuel, pour diverses raisons, donc qui sont différentes pour chacune. Il y en a une qui veut oublier son amour, son amant, l'autre qui est trop dans ses compétitions de natation, une autre qui a eu ce séjour qui a été payé par son père, enfin voilà, c'est un petit peu pour échapper à leur quotidien, pour être sans homme en fait, enfin, c'est vraiment un truc sur la féminité, sur le féminisme. Donc chaque épisode va se focaliser sur leur survie et en parallèle sur un personnage en particulier, donc à chaque épisode c'est sur une fille différente. Ce qui nous fait découvrir un petit peu plus les raisons pour lesquelles elles sont sur l'île, qui les a amenées là, pourquoi, et ça nous fait aimer ou pas certains personnages. Enfin, moi, je les ai toutes adorées, hein, perso. Ça les fait gagner en profondeur également. Et il y a des moments, il y a certains passages, on est mais what? Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe? Vont-elles survivre malgré leurs différences et leurs préjugés? Parce que forcément, elles viennent de milieux différents toutes, et quand elles vont devoir survivre sans électricité, sans vivre, etc., enfin, ça va être un peu compliqué. Certains caractères vont ressortir, le meilleur ou le pire pour certains, certaines, enfin pour certaines, parce que c'est que des femmes. Et ouais, à la fin, ça part un peu en live. Hein. On sait assez vite comment ça va tourner vers la fin, sans trop en dévoiler, mais on ne sait pas pourquoi et comment ça va. Et franchement, le dernier épisode, on en parle ou comment ça se passe? Parce que moi, j'étais, je dis, il y a encore, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la saison 2, quoi? Enfin, il y a trop de trucs. Ce que j'ai bien aimé aussi dans cette série, c'est qu'il y a une vraie représentation LGBT, QIA+, tout ce qu'on veut, de véritables intrigues, et il y a des questions qui sont posées, en fait, qui sont vraiment en rapport avec l'âge, je pense, avec les adolescentes actuelles. Donc je pense que ça peut plaire vraiment à pas mal de personnes qui peuvent peut-être s'identifier et oser aussi dire certaines choses, poser des questions, etc. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que ça nous amène vraiment à comparer avec la vie actuelle, avec ce qui peut se passer dans la vie de certaines adolescentes. On nous laisse sur un cliffhanger de fou à la fin de la saison, hein, voilà, comme d'hab. Et la série, elle va être renouvelée, comme j'ai déjà dit. Donc vraiment, j'ai eu une bonne surprise. Parce que quand j'ai regardé, je vois, ça a l'air sympa et tout. Mais en fait, je me suis laissée totalement embarquer par l'histoire principale. Et en gros, voilà, comment ça se fait que leur avion s'est crashé? Est-ce qu'elles vont savoir contacter leur famille? Enfin, tout ça, quoi. Ensuite, une autre série que j'ai aussi adorée et qui n'ont pas mis la saison 3 sur Amazon Prime, donc je sais pas pourquoi ils font ça. Je vais essayer de la trouver autre part, mais tant pis. C'est Siren. C'est pas tout récent, hein, je sais, mais j'ai eu un énorme coup de cœur, un gros coup de cœur pour cette série. On va suivre Rin, donc ouais, c'est Rin. Elle a un accent un petit peu chelou, la actrice, elle est belge, je crois, mais bon, en fait, c'est en américain. Hein. C'est une mystérieuse sirène, donc là on part sur un truc un petit peu fantastique. Elle va poser les pieds sur terre et aller à la rencontre des humains pour en gros pallier au manque de nourriture, parce que dans les fonds marins ils n'ont plus rien à manger, donc elle va aller sur terre pour essayer de savoir trouver la nourriture ou trouver s'il y a un moyen de trouver une solution, quoi, tout simplement. Elle arrive dans la petite ville de Bristol Cove, qui est une ville portuaire et qui a pour réputation d'être une ville qui a hébergé des sirènes. Hein, donc c'est un petit peu la devise de la ville, en gros. Voilà, c'est la ville des sirènes, en gros. Et il y a une sorte de bataille entre... Il va y avoir une sorte de bataille entre le peuple marin, enfin les sirènes, et les hommes qui va se dérouler tout le long de la première saison, en tout cas. Ben Parnwall, issu de la famille la plus puissante au niveau local, et Maddie, sa petite amie, qui travaille avec lui dans une sorte de centre de recherche aquatique, qui est vraiment un refuge, ils s'occupent d'animaux marins, etc. Donc ils sont à fond sur la faune et la flore, ils sont géniaux, quoi, ils ont une alchimie de ouf. Ils vont se lier d'amitié avec cette fameuse sirène Rin, ça c'est pas un spoil parce que ça se passe dès le premier épisode, et je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Il faut se plonger dans cette série sans trop en savoir, parce que j'ai vraiment trop aimé. Surtout les trois personnages principaux, ils ont une alchimie de malade, je trouve. Et là, ça prend des tournures auxquelles je ne pensais pas, mais c'est bien amené, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais sans trop en dévoiler. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez vu cette série, vous voyez de quoi je veux parler, quoi, de leur amitié, comment elle va évoluer, etc. Enfin, je trouve que c'est super bien amené et j'ai vraiment adoré. Voilà, j'arrive à la fin, hein, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. J'ai également en attente donc la série dont je vous ai parlé, pas encore, ça dépend si j'ai publié le book haul avant ou après, mais j'ai en attente The Magicians. Les magiciens, donc en VO aussi, mais je pense que pareil, il n'y a pas toutes les saisons, je crois qu'il y avait 4 premières seulement, ou 3, 4 premières sur la plateforme. J'ai adoré, c'est super dark, c'est... On va suivre un jeune homme qui découvre qu'il a une vie un peu merdique, hein, il est un peu dépressif, voilà. Et en gros, il va découvrir qu'il est magicien et il va intégrer un pensionnat pour apprendre à développer ses compétences. Ça n'a rien à voir avec le truc d'Harry Potter, hein, je vous le dis clairement. C'est super sombre.
Et on découvre des trucs, des choses de la magie que j'ai vraiment bien aimé. Les épisodes sont palpitants, c'est vraiment hyper intéressant. En attente, sur cette plateforme, j'ai aussi Nashville. Voilà, une série musicale. J'essaie de regarder un petit peu à la fois. Once Upon a Time. Alors, Once Upon a Time, ça part trop en chouquette. Hein. Je suis à la saison 6. Il me reste plus qu'une saison, je crois. Après, c'est fini. Mais la dernière saison, ça parle d'Henri quand il est adulte. Alors, je sais pas si je vais regarder parce que j'ai peur que ça parte trop en steak. Heroes, une vieille série que je refais. Et ils ont mis depuis très peu de temps Charmed, les sœurs Halliwell. Enfin, ouais, une série de mon adolescence. Donc, clairement, Oui, hein, je me refais tous les épisodes en binge watching depuis peut-être une semaine, deux maintenant. Ouais, une semaine, au moins. Voilà, j'ai fini. Ça y est. Je vous laisse vaquer à vos occupations. J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est pas mal aussi parfois de. Parce qu'en fait, il y a tellement de séries différentes, d'univers différents, sur les plateformes différentes, que c'est parfois pas évident de trouver quoi regarder en fait. Parce que moi, clairement, il y a des fois, pourtant, je suis quand même beaucoup de séries et je me dis, mais des fois, j'ai pas envie de continuer tout de suite une série que je regarde, j'ai envie de découvrir un nouveau truc et tout. Et des fois, j'ai du mal, je cherche galère quoi. Enfin, et quand j'ai trouvé par exemple Siren, qui est pas une série toute récente, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de cette série? Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout, il y a un épisode, enfin, ça me laisse. J'étais sur le cul, hein, carrément. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, parce que je pense que la vidéo va durer assez longtemps, mais voilà, ça change un petit peu aussi que de vous parler que de livres. Je pense vous faire aussi prochainement une vidéo sur les applications de lecture que j'utilise. J'en avais déjà touché un mot très rapidement. Mais j'ai déjà tout le contenu qui est préparé, j'ai plus qu'à la filmer. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez bien voir ce genre de vidéos différentes sur les séries, etc. Si vous avez des suggestions peut-être, vous, qu'est-ce que vous regardez? Si vous avez une série fétiche ou alors une que vous n'avez pas du tout accroché, au contraire. Justement, c'est bien aussi de comparer quand on n'a pas les mêmes goûts. Et moi, je vous dis à très bientôt parce que là, j'ai vraiment fou, j'ai plus de voix là. Faut que j'ai enchaîné trois vidéos. Je vais me poser un petit peu tranquillou binou. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et c'est tout. Ciao, ciao.